Donc on est en Teshuvah, chapitre Vav 6, paragraphe 1 Aleph. Page même Vav. Nafshit Pnimit. Atavat Achefet Apnimi. Ou Begeda Teshuvah, Yola le mala me amida. Sharatzan à la Tov, Aemunach Balev, Batechila, Kodamachet. Mishmachi, Mitzad Apnimiut, Balet Yeshuvah, Dolim, Metzadikim, Gourim. T'as compris? Non. Il y a une Yeshuvah intérieure, on va dire, qui est la bonification de la volonté intérieure de l'homme. En tant que Teshuvah, elle s'élève en delà du niveau, c'est-à-dire elle fait que la volonté vers le bien devient plus haute que ce qu'elle l'était avant la faute. Ça veut dire que quelqu'un avait une certaine volonté de faire le bien. Une fois qu'il a chuté, il a énormément de remords, il prend de nouvelles résolutions. Eh bien, il ne revient pas au même endroit où il était avant la faute. Si déjà il est tombé et qu'il se relève, il bondit et il se trouve une situation meilleure, au moins au niveau de la volonté. Ce n'est pas toujours exact concernant le comportement, parce que le comportement, ça prend beaucoup plus de temps quand le corps est lourd à traîner. Mais les résolutions, les décisions internes, elles peuvent avancer très rapidement. C'est ce qui fait que, mitzad apniyut, c'est-à-dire si on observe son intériorité, ben quelqu'un qui va de Teshuvah se trouve une situation meilleure qu'un tzaddik gamour. À moins que Chas v'Shalom se décourage. On parle de quelqu'un qui a fait Teshuvah. S'il se décourage, c'est un autre film. Il a fauté, il a des remords sincères, profonds, et il prend de nouvelles résolutions de ne plus faire la faute. La plupart du temps, il ne se repositionne pas à la même situation où il était avant la faute. Si déjà il est tombé et qu'il bondit bien plus en avant que ce qu'il était. Donc il en ressort gagnant de cette faute. Ça ne veut pas dire qu'il faut fauter pour faire tchouva, ça vient de toute manière suffisamment tout seul, pas besoin de faire ça de manière artificielle. D'accord? J'ai Donc. pas compris pourquoi, enfin, pourquoi il est à un plus haut niveau après la fois du contrôle. C'est parce que la Parce que résolution. très souvent, quelqu'un fait du surplace, il stagne. Il jette langue, il se positionne, il sent bien dans sa peau. Faut qu'il a chuté, il arrive à un certain dédain profond de sa personnalité, il ne peut plus se supporter tel qu'il est. Et ceci le motive à bondir. Et si déjà il bondit, il rentre dans une nouvelle démarche dynamique de progression, et la plupart du temps, il ne stagne pas. Il s'est remis en mouvement, donc il dépasse de loin la situation dans laquelle il était, et là on ne parle qu'au niveau intérieur. Ça veut dire qu'automatiquement, le lendemain de ses bonnes décisions, il va se trouver au niveau du comportement plus haut de ce qu'il était avant, au niveau de ses décisions d'affaires, ses décisions fermes de faire le bien. C'est bien? Tov, continuons. C'est clair? Je peux te mettre là, c'est permis. Hein? Non. Donc ça c'est, vous allez voir la différence entre le début et la fin du paragraphe. Ça il parle de la teshuvah nafshit pnimit. On parle d'une teshuvah intérieure qui n'a pas encore d'expression au niveau de l'action. Il faut savoir que souvent les gens se trompent. La teshuvah est en delà de l'action. La teshuvah est au niveau de la Torah. C'est une démarche spirituelle. Mais non, l'action vient Est-ce qu'on peut changer mesurer d'action? l'intensité de la volonté positive. Mais la volonté positive elle-même est déjà teshuvah. Ne pas croire que la teshuvah est conditionnée par le Ah oui. comportement. Si on veut réellement, ça s'appelle C'est Teshuvah. déjà teshuvah gmoura. Pas D'où si je on le veut sais. la Non, version. non. On a dit Si on avant, s'arrête non. avant, Si on met pas juste un gros. l'action, si on met pas l'action, ça prouve que la volonté n'est pas assez mûre.
Mais en fait, c'est la volonté qui compte. Supposons que quelqu'un a une volonté totalement nulle. Il n'a pas eu le temps de mettre à la question parce qu'il a eu une crise cardiaque, il est mort. Mais il est battu quand même. La Gemara dit, c'est vrai qu'on peut se marier sous condition. Je me marie avec toi à condition que ta grand-mère revient. C'est faisable, on peut inventer toutes conditions qu'on veut. Et après, il s'avère que la grand-mère ne veut pas. Et bien, rétractivement, il s'avère qu'elle n'était pas mariée. On peut faire toutes sortes de conditions. Donc, quelqu'un ferait une condition. Ariat me kudeshe, tu m'es sanctifié. Betnai, almena, tchani tzadi gemur. Que je suis un tzadi gemur. Bon, mais après, il s'avère que c'était le plus grand des gangsters du monde. Et il a disparu. On ne sait pas ce qu'il en est. Voilà, il s'est fait kidnapper. Qu'est-il le statut de cette femme? A priori, la condition n'a pas été remplie, puisque c'est un gangster, donc il n'y a pas beaucoup d'achètes. Nafkamina, elle peut se marier avec n'importe quel homme. La Gemara dit non, beaucoup d'achètes. Elle est sanctifiée. Mais si c'est sauvé, c'est qu'il n'est pas bien. Ça, il s'est fait kidnapper, il est mort, il a une crise cardiaque, peu importe les circonstances. C'est, on n'a pas de possibilité de savoir. Pourquoi elle a beaucoup d'achètes? Peut-être qu'au moment où il a dit cela, sincèrement, il a eu des pensées de Teshuvah. Donc, il est très gamin. Donc, on voit bien que la tchouva ne dépend pas du comportement. Le comportement n'est que pour déceler l'intensité de sa pensée, si elle était assez mûre ou pas. Ce qu'on a dit la dernière fois, c'était Hirour. Hirour, c'est aussi la volonté. Hirour, c'est avant, tu vois. Ah ouais, c'est... On a dit non. Commencer à penser. Tchouva, c'est quand commencer à penser, peut-être que c'est pas bien. Il y a toutes sortes de niveaux. On y arrivera bientôt. Il y a un pérec. Il faut mieux être patient parce que je vais dire des idées aussi. Il y a un pérec entier qui est consacré à ça. Des nouveaux, différents niveaux de pensée. Et leur importance. Très souvent, les gens ont tendance à négliger ces pensées-là. Par soi-disant volonté d'être trop sincère. Ils se disent, si de toute manière je faute, à quoi bon avoir des pensées de remords? C'est de l'hypocrisie. Et donc, ils bloquent ces pensées de remords. C'est une grosse erreur. Car les pensées de remords, même en pleine faute, sont effectives. C'est-à-dire, elles ne sont pas assez effectives pour t'empêcher de fauter, parce que tu es encore trop embourbé dans la faute. Trop attiré par la faute, mais une seconde après la faute, elles commenceront à agir et à récupérer tout ce que tu es. Alors pourquoi on a l'impression que quand on a des pensées et qu'on fait quand même l'action, on est en désaccord, on a l'impression que ça sert à rien. C'est une fausse expression. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Pour t'enseigner que cette impression mais est tout fausse. Le monde a. C'est une impression fausse par volonté d'être totalement entier avec ma personnalité, etc. Et c'est pour ça qu'on apprend la Torah, pour te dire que ne mets pas ça de côté. C'est-à-dire, tout est fondé sur ce qu'on a appris au début de l'étude, que la tshuva n'est pas une démarche humaine, mais est un flux divin qui vient de la source de la vie vers nous. Maintenant, il suffit que tu nous ouvres même un petit interstice d'un demi-millimètre dans ta personnalité, ce flux commence à te pénétrer et effectuer sa révolution au sein de ta volonté. Donc, ne l'empêche pas. Filo adam chote ou mitbayesh, mohalim lo yemar. Quelqu'un faute et il a honte de sa faute. Mais il n'a pas encore la force de s'arrêter. Le processus de la tshuva commençait déjà. Qui donnera ses fruits probablement qu'après la faute. Ça veut dire qu'il n'aura plus envie de faute. Il aura assez de force. Ça veut dire qu'il aura plus de force de s'écarter de la faute la prochaine fois, ou bien carrément ne pas faire la faute. Et d'avoir des remords sincères, etc. Donc ne repousse jamais. La tshuva est tellement forte que même un micron de tshuva est important. C'est ça. Donc là, on parle de cette tshuva-là, des tshuva internes. On reprend pour les retardataires. Yesh tshuva nefit limit. Il y a une tshuva intérieure qui est atavat achepet apnimi. La volonté de bonifier nos désirs, notre volonté. Au begida tshuva, yola le mal à mabida. Donc cette tshuva fait que tu te retrouves après à une situation meilleure dans ta volonté vers le bien que ce que tu étais avant la faute. Tu es tombé dans la faute, tu as un dédain profond de ta personnalité, ceci te motive à bondir. Et si déjà tu bondis bien en avant à ce que tu étais précédemment. Donc, maintenant, on parle d'une tshuva, pas plimite, mais ritsonite. Et là, on voit la différence. La tshuva ritsonite, tout le même asim. Ça, c'est une tshuva extérieure, c'est-à-dire qui s'exprime extérieurement. Elle dépend des actions. Mais les deux ont commencé de l'intérieur ou non? Toujours. Ah ouais, c'est ça. Toujours. C'est-à-dire, normalement, toute tshuva plimite est censée amener à une tshuva ritsonite. Mais des fois, il peut y avoir une certaine situation dans laquelle on se trouve dans une tshuva chitsonite sans tshuva pnimite. Ou bien parce qu'on est obligé par la loi.
Donc, je n'ai pas le choix. Je me soumets aux directives d'une autre personne. Mais j'ai honte. Quoi qu'on se soumet, c'est pas une chose. C'est pas encore une transformation intérieure. C'est un comportement extérieur, mais il y a une certaine rébellion intérieure encore. Tu n'es pas totalement entier avec ça. Donc, soit tu te soumets aux directives d'une autre personne, parce que tu es sous son influence, ou bien d'une certaine société, ou bien de la loi, etc. Ou tu t'obliges toi-même. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Des fois, on n'a pas le choix que de le faire. Tu t'obliges à le faire sans véritablement te sentir entier avec ça. Tu ressens encore un certain repous envers le bien et un mal de t'écarter du mal. Et tu le fais quand même. Tu te forces à le faire. C'est-à-dire, regardez. Atshuva chitzoni tlouya bema'asi. Cette tshuva-là, elle dépend des actions. Et ça s'appelle Oula shel ha'teshuva. Ol, en hébreu, c'est un joug. Un joug, c'est jamais très, très agréable. C'est un fardeau que tu poses sur ta nuque et qui t'oblige à baisser la tête. Mais c'est lourd à supporter. Ça s'appelle Oula shel ha'teshuva. Lorsque tu fais une tshuva chitzonit, qui n'est pas le fruit d'une tshuva pnimit, mais par des contraintes, une soumission, toutes sortes de causes extérieures qui t'amènent à te comporter de la sorte sans que tu aies vraiment envie de le faire. S'il n'y a pas de tshuva pnimit, ça s'appelle quand même tshuva. C'est contrainte extérieure. Ouais, c'est une tshuva. Une tshuva. Tshuva mirata onesh, par exemple. Quelqu'un qui ne veut pas fumer tabac. Tshuva mirata onesh. Quelqu'un qui fait tshuva parce qu'il a peur du châtiment. On ne peut pas dire qu'il a subi une transformation interne de sa personnalité. Mais il n'a plus les pieds dans la boue, de fait. Il a fait un bond, il est sorti de la boue. Pas par amour de ce qui est en dehors de la boue, mais parce qu'il n'a pas envie de se ramasser une raclée. C'est déjà mieux que de fauter. Et après, il faut qu'il fasse la pnimit. Évidemment. Ah, ce voilà. N'est qu'alors qu'il sera vraiment Baal Teshuvah Amiti. C'est ça, la Teshuvah. Et quand on veut fumer Shabbat, qui a l'habitude de fumer Shabbat, il s'arrête parce qu'il a peur du châtiment, comme tout voilà. N'importe quoi, ou la honte, n'importe quoi. Et alors, donc, après, il fait la deuxième démarche qui est finie. C'est ce qu'il est censé faire. Il est censé faire pour être une Teshuvah Shlema, évidemment. Donc, regardez la différence maintenant. A Teshuvah Chitzonit, Tluya Bema'asim, elle, elle dépend des actions. Ou lâche elle Teshuvah, ce fardeau-là, ce joug de la Teshuvah, en tant que tel, elle n'est pas souhaitable. Elle a chetricha, qui mourrait foi. Des fois, on n'a pas le choix. On en a besoin comme un remède. Et pas toujours, tu as envie de prendre une piqûre, mais tu comprends que sans cette piqûre, tu risques de mourir, donc tu la fais quand même. Alken, c'est pourquoi. Afalpi sheyosa chisaron, c'est-à-dire, elle crée un manque dans ta personnalité, elle crée des dégâts. Parce que c'est à contre-cœur que tu le fais. Donc ça a des séquelles. Ça peut développer en toi une haine de la Torah, une haine des rabbins, une haine de Dieu, que tu n'oses pas dire, mais que tu ressens, parce qu'il te rend la vie amère. Tu voudrais bien t'amuser, mais Dieu te l'empêche. Mais tu le fais par soumission, par crainte, ou bien toute autre autorité. Même si pour Dieu, ce n'est pas encore... C'est non, c'est pas parce que tu es amoureux de Dieu, c'est que tu as peur du bâton de Dieu. Bah oui, mais c'est quand même par rapport à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que c'est mieux qu'un rachat. Mais c'est pas quelqu'un qui a encore subi une transformation interne de sa personnalité. Il peut pas vivre. C'est quelqu'un qui aime le mal, qui aime pas faire le bien, mais qui se force. C'est déjà pas mal, quand la cabote, il y en a qui se forcent pas. Il y a des criminels dans ce monde, et des violeurs, et tout ce que tu veux. Lui, non. C'est déjà pas mal. Il a de la volonté. Donc, mais sans aucun doute qu'elle crée des dégâts dans la personnalité. Une révolte interne qui est sous-jacente, qui d'un moment à l'autre explose. Elle peut avoir aussi une influence positive sur le... Elle peut aussi, parce que du fait que tu ne goûtes plus au mal, au fur et à mesure, tu te... Et que tu le maîtrises aussi. Des, comment on dit, ceux qui prennent la drogue, tu te désintoxiques. Évidemment que plus tu prends de la drogue, plus tu en as envie. Plus tu pêches, plus tu en as envie. Donc évidemment, c'est ce qu'il a dit, enfin, pichit tricha, des fois il n'y a pas le choix. Pas toujours, on va dire, regarde, attends que tu sois totalement convaincu pour le faire. Le temps que tu sois convaincu, tu mourras avant. Donc d'abord, avant tout, bondis comme un fou, sors de la boue. Et après, organise-toi pour comprendre et pour accepter et pour adhérer à cette pensée. Donc c'est pour ça ce qu'il dit. Afalpi shiosa chisaron. Sans aucun doute qu'elle crée des dégâts. Mikol makom. Amarlak de laïma chisaron.
C'est quoi le Rissa, hein? La révolte interne. Oui, mais ça le ménaquait. D'un côté, ça l'éloigne du mal. C'est le dommage. Mais d'un autre côté, c'est que maintenant, il a une rancune contre Dieu, contre l'autorité, contre la Torah, contre le rabbin, contre tout ce qui lui casse les pieds et qui ne lui permet pas de s'éclater, comme on dit. C'est vrai? Donc, il y a ça, Rissaron. Mais Mikol Makom, cependant, à Malak de l'Aïm Rissaron, quand tu pèses le pour et le contre, eh bien, le pour, il est plus fort. Alors, regardez là. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu que tout le peuple d'Israël ne réalise qu'une seule entité. Donc, il y a une compensation réciproque entre les individus du peuple d'Israël. Au même moment? Ouais. Ce qui a été abîmé en toi, c'est-à-dire les effets secondaires non souhaitables de cette Yeshua Ritzolit, sera comblé par une autre âme du peuple d'Israël, qui, elle, n'a pas ce problème dans ce domaine. Et donc, elle te fait chesed, de manière involontaire. C'est-à-dire, le pauvre, c'est égal avec moi. De manière involontaire, de manière naturelle, il y a des vases communicants, disons, et lui, il n'a pas cette révolte interne, disons, envers cette mitzvah, envers cette directive, etc. Il se sent très bien avec ça. Torem le chesed. Je prends des mots torem, mais de faire un don de cela, ça, c'est des vases communicants, c'est comme dans un verre. S'il y a moins d'eau, hop, oup, tout de suite, ça se remplit. C'est-à-dire, ça, c'est au sein du peuple d'Israël, les individus envers les individus. Est-ce qu'il donne l'exemple? Hein? Est-ce qu'il donne le bon exemple? Non. Faut plus. Non, sans rien voir. Sod, Ardout, Anéchabot. Il peut être à Haïfa, quoi. Voilà. Rentrez fois ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Nous sommes qu'une seule âme. Donc, quand il y a un manque. Hein? Comment on peut avoir plus? Plus que quoi? Par exemple, là, vous dites, c'est ce qu'il y a en plus qui va aller chez l'autre. Pas plus. Alors quoi? Peut-être même. Dafka, dans ce domaine, il est Superman. Il est raciste. Non seulement il n'a aucun problème avec cette mise au contraire, il adore cette mise. Il est en plus. Hop, ça passe. C'est comblé. N'importe quel exemple. Quelqu'un qui se force à ne pas faire une avera à contre-cœur. Donc c'est bien qu'il s'est forcé, mais d'un autre côté, il y a une révolte interne. Donc il y a un certain dégât, des effets secondaires. Peu importe. C'est-à-dire d'abord, en pesant le pour et le contre, ça vaut le coup, ça vaut le prix. Deuxièmement, mes craintes, ça sera compensé, ça viendra d'une autre âme. Aval betzibur en zeshayar. Ça, c'est quant à l'individu. C'est-à-dire, il y a lieu parfois pour l'individu de se forcer à contre-cœur. À ne pas faire le mal, pour faire le bien, bien qu'il y ait des effets secondaires, en pesant le pour le contre, il vaut mieux. Et en plus, il y a une compensation réciproque entre les âmes d'Israël. Ça, c'est vrai pour l'individu. C'est pas pour la Vera, c'est. Il parlait en fait. Aussi bien pour la Vera que la mitzvah. Il y a des mitzvahs aussi qui te cassent les pieds et tu les fais contre cœur. La question, elle est plus précise. Quand il a dit, l'autre, il est machlim, le chasser de l'un. Mais ici, le chasser, c'était le dommage que la Vera. Pas la Vera. Le dommage que la personne pouvait se faire sur lui-même parce qu'il se retient d'eux. Ou se retient ou bien il s'efforce. Mais c'est pas qu'il a fait une Avera. Non, c'est au contraire, c'est parce qu'il s'efforce de ne pas faire la Vera, voilà. Et ça lui crée en lui des réactions vidéo. Aval Betzibur en Deshayar, et ça c'est très très important, Beilchot Tzibur, que très souvent les gens qui n'ont pas étudié Torah Territzra ne comprennent pas. Ouais. Concernant le Klal, eh ben jamais, on ne peut aller dans cette démarche de Tshuva Chitzonit, de forcer le Klal à se comporter d'une certaine manière s'il n'est pas à la hauteur de le faire. L'individu, il peut se forcer, et on peut le forcer aussi, si on sait que c'est pour son bien, on lui boit en le crâne s'il le faut. Peu importe. Évidemment, on ne peut pas lui donner des coups aujourd'hui. La paix à Klallo, Lama, regardez. Kimi Yashlim, qui va compenser? Quand c'est à l'intérieur de Klal Israël, ben cet individu a un effet secondaire non souhaitable, ça sera compensé par un autre. Mais si c'est tout Klal Israël maintenant, qu'on a forcé dans une certaine démarche à contre-cœur, et donc automatiquement il y a des dégâts. Qui va compenser ces dégâts? D'où ça va venir? On ne peut pas oublier un exemple. Le peuple d'Israël aujourd'hui, malheureusement, n'est pas à même de comprendre l'importance de l'Israël. Et donc, de manière assez légère, il a tendance à donner des parties d'Israël aux ennemis. C'est une avéra gravissime, impardonnable.
catastrophique. Donc il faut tout faire pour arrêter. Non. Il ne faut pas tout faire pour arrêter. Il faut tout faire pour arrêter sans créer de dégâts. On a vu qu'on ça veut dire, sauf comme ils ne comprennent pas, alors on va barrer toutes les routes. On va les insulter, on va les traiter de traite. On va saccager tout. On va faire la révolution ezrachique, on est pris de civil. Bouleversement du pouvoir. L'essentiel, ça ne donne pas. Et quitte même à se tabasser les uns les autres, l'essentiel, c'est de ne pas renoncer à une parcelle de terre d'Eritrée. Non, en aucun cas. La mitzvah d'Eritrée est très très importante. Aussi importante que l'application de toutes les mitzvot. Et malgré tout, on ne peut la faire que de bon cœur. C'est-à-dire que le peuple d'Israël comprenne l'importance. Donc il faut se servir de tous les outils de conviction, de séduction, tout ce que tu as envie, pour l'amener à comprendre. Tu peux parfois user un petit peu de pression, à condition que ce soit accompagné d'explications, et que ces explications finalement rattrapent ce qui a été fait par la pression. Donc il faut avoir une sensibilité très développée pour savoir où s'en trouve le peuple, combien qu'on doit faire de pression, sans créer de dégâts. Et si on est capable, après cela, de réparer les dégâts de la pression avec une explication. Bon, c'est ce qu'on fait tout le temps dans le gouvernement. Des fois, on fait des choukim d'atim. Avec toutes sortes de combines dans la coalition. Si tu viens pas avec moi dans cette loi, moi je ne viendrai pas avec toi dans ta loi. C'est un certain commerce. Un petit peu des... Comment on appelle ça des, marchandage. Voilà, c'est du marchandage. Et donc très souvent, les Khinonim n'ont pas le choix. Ils votent aussi pour une certaine loi, mais ils font ça à contre-cœur. Combien qu'on a le droit de faire, d'user de ces outils, tant que ça ne crée pas des dégâts. On peut dire, je m'en fous. L'essentiel, c'est le pragmatique. Je l'ai eu, ma loi, voilà, on ne vendra pas de cochon. Mais les dégâts, ils sont bien pires que ce cochon. Parce qu'à longue échéance, ça amènera une haine totale du judaïsme, de Dieu, de tous les idéaux les plus saints. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut jamais user de la ratz. On appelle ça « shitat à sandwich ». C'est un sandwich. « Lechem ve lechem ve naknik behemza ». C'est-à-dire que tu peux enlever un acnique au milieu, c'est la pression, mais il faut que ce soit enveloppé de pain, enveloppé d'explications, de séduction, etc., de conviction. Alors, comme on dit, le lézard passe, tu fais avaler le lézard en douce. Mais en aucun cas, ne se servir que de la force, parce que ça fait des dégâts irréparables. Et un autre exemple, peut-être à notre échelle plus facilement, le fait de réunir des gens pour faire un minyan, on crée le tzibour, peut-être si des fois on le fait à contre-cœur. Les gens là, un minyan, c'est pas Klal Israël d'abord, c'est des individus. Non, mais un tibour, un tibour. Le tibour, c'est Klal Israël. Ah, d'accord. Ça, c'est 10 personnes, là, tibour. Donc, il y a 10 personnes qui ont été lésées, disons, il y en a d'autres, 1 million de personnes qui vont combler ce manque. D'accord. On parle de Klal Israël, dans des démarches nationales. Est-ce qu'on peut forcer la main du peuple d'Israël aujourd'hui avec toutes sortes de stratagèmes sataniques, j'appelle ça, à les obliger à faire la mitzvot? Non. Par exemple, la Shemitah, par exemple. Sans obligation. Voilà. La Shemitah, elle ne peut pas être obligation. Toutes les mitzvot du clan, c'est-à-dire amener le gouvernement à certaines décisions dans le sens de la Torah, dans le sens de l'importance des rites d'Israël. Ça veut dire que demain, ils décident d'ouvrir les trucs Shabbat. Hein? Demain, ils décident d'ouvrir les trucs Shabbat, loi Aleinu. On ne va pas sortir dans les rues pour... Non, ça ne sert à rien. Il faut tout faire pour empêcher dans les règles de l'art. Et c'est ça, les règles de l'art. De ne pas créer des dégâts encore plus grands d'une haine totale de Dieu et du judaïsme qui lui rend la vie amère. Donc il faut essayer d'expliquer, bien qu'il y a des explications bien plus hautes pour l'importance du Shabbat, mais tu lui donnes une explication à son niveau. C'est important, parce que si il y aura des magasins ouverts, ça va faire de la concurrence, et donc finalement tout le monde va devenir des esclaves, tout le monde devra travailler, alors que va-t-il advenir du repos de l'individu? Et c'est le peuple d'Israël qui a inventé le repos dans l'humanité entière. Et la cellule familiale va se disloquer. Toutes sortes d'explications qui sont vraies, mais qui sont vraiment très partielles relativement à la sainteté du Shabbat. Peu importe. Ça l'a calmé. Il est bon, il est bien avec ça. J'ai ce que je voulais. Il n'y a plus de dégâts. Ça, c'est faisable. Donc, tu dois mobiliser tous les outils possibles et imaginables de conviction, de séduction, etc., de l'amener à vivre cette dimension. Tu peux faire un petit peu de pression. Oui, il faut savoir. Par exemple, le Rav Souda, à l'époque, après la guerre de 67,
on avait Hachem libéré la Judée Samarie. Alors là a commencé tout le processus de la Itiashvut. Mais très souvent, c'était de force. Parce que le peuple n'était pas assez mûr, et donc l'armée n'était pas assez mûre, le gouvernement n'était pas assez mûr. Donc il y avait des oppositions. À chaque fois qu'il y avait une initiative d'aller s'implanter dans un nouvel endroit, il venait demander l'avis du Rav Siluda. Il répondait jamais tout de suite. Il attendait 3, 4, 5 jours. Et on se demandait pourquoi. Ben, il allait faire une petite statistique. Il invitait des journalistes, des politiciens, des gens de pensée, pour savoir plus ou moins où se trouve la température de la nation à ce moment-là. Est-ce qu'on peut en donner un tout petit coup de pouce pour faire avancer les choses? Et après, on va couvrir par de l'explication, ou bien on est trop loin? À chaque fois. Jamais il a laissé faire les choses de manière spontanée par les gens enthousiasmés. Mais... Et la preuve en est, c'est que Rav Siluda Zatzadik Levracha, entre les murs de l'Echiva de Merkaz Arab, bon, il enseignait la Torah, comme c'est marqué dans la Mishnah, que Eritzrel c'est Yehuda va Galil vers Erden. Eritzrel entière, c'est la Judée, la Samarie évidemment, le Galil, et même l'autre côté du Jourdain. Mais une telle parole du Rav Siluda n'est jamais apparue dans les médias. Parce que le peuple est très loin de comprendre aujourd'hui, de dire voilà, aujourd'hui, demain on va conquérir le Liban. Ou bien encore mieux, la Syrie ou la Turquie. Ça n'a pas la tête. Ça va qu'entraîner des réactions virulentes contre. Donc à quoi bon le dire? Et surtout pas agir dans ce sens. On va envoyer 10 foules à la Merkaz arabe, ils vont s'implanter en Syrie, on dit voilà, on a mis le drapeau d'Israël. Maintenant sauvez-nous. C'est l'armée d'Israël venir nous sauver. C'est des folies. Donc, il faut toujours évaluer où s'en trouve la nation. On peut, et évidemment, accélérer le processus de la maturation de l'esprit en expliquant. C'est une piscine, mais on a notre cheval pour être trop de cibou. Que très souvent, des gens qui n'ont pas étudié cela ne comprennent pas. Et donc, ils forcent, ils font des manifestations, ils cassent tout, etc. etc. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça fait retourner la machine en arrière. Ce qui était plus ou moins compris et digéré de manière naturelle, avec le processus naturel du temps, à cause de ces manifestations virulentes, qui a fait retourner la situation 50 ans en arrière. Mais une bonne action, elle a pas d'influence aussi. D'accord. Par exemple, quand vous dites on les force ou on fait une manifestation, je sais pas quoi, mais des fois il y en a qui n'ont pas cette idée de, je sais pas, comme vous avez dit, de sauver un chétard ou pas. Alors si on leur explique en faisant une manifestation, même si c'est trop virulent. Ça dépend si c'est une manifestation explicative ou une manifestation comme les gilets jaunes aujourd'hui en France, qui saccagent toute la France. Bah non, ça, il n'est pas question que ça rentre sur le territoire israélien. On ne fait pas ça, on ne saccage pas. Ça risque d'arriver. Figure-toi qu'à Kfar Maïmon, ça risquait d'arriver. Si ce n'est le tzaddik de la génération qui a empêché la guerre civile. Le Rav Aviner, par son corps, il a arrêté ça. Les foules étaient enragées. C'était tous des illuminés. Et ils étaient prêts à tout prix à casser les barrages. À 300 mètres de là-bas, il y avait l'armée d'Israël, armée, et qui avait reçu l'ordre de tirer sur la foule. Par Sharon. Pour entraîner cette délégitimation du public religieux sioniste. Et les gens étaient enflammés et prêts à rentrer dans le temps. Le Raviner était là-bas. Il a vu la situation. En un clin d'œil, il a compris que c'est la fin du monde. Khurban Metamikdash. Parce que se tuer entre soi. Ça aurait été le Khurban Metamikdash, l'arrêt de la renaissance nationale du peuple d'Israël à ce moment-là. Il est couru comme un fou. Il a un sprint alors qu'il a 75 ans, le bonhomme. Il arrivait en tête, il a demandé à un grand, quelqu'un lui dit, toi tu es très grand, prends-moi sur les épaules. Il a pris un mégaphone, et il les a tournés en bourrique. Jusqu'à présent, il y en a qui lui en veut à cause de ça. Il a commencé à raconter des blagues, n'importe quoi. C'est un artiste dans l'humour. Il a raconté n'importe quoi, il a calmé les esprits, il les a fait tourner, il les a fait marcher dans un autre sens. Et c'est comme ça qu'il a arrêté la catastrophe. Mais dans les gens qui étaient enflammés, enthousiasmés, que Eretz Israël c'est plus important que tout, il dit oui, il a tout foutu en l'air. Si on avait cassé le barrage, on n'aurait pas perdu Gouch Katif. Et on aurait gagné à la guerre civile. Et on aurait gagné à la destruction du Beit HaMikdash. Il faut être l'homme adéquat au moment propice. Et de percevoir la gravité de la situation et savoir comment intervenir.
dit le Rotzibour. Celui qui n'a pas ça dans le ventre, dit le Rotzibour, il dit le Kadima. On va le rentrer dedans. L'essentiel, c'est Eretz Israël. On va rattraper après 100 ans de renaissance nationale. Donc en fait, la mitzvah de protéger la terre, ça va pas, elle ne va pas influencer assez pour combler en fait, le manque qu'on a. De quel moyen tu peux pas forcer quelqu'un. On n'a pas aujourd'hui Bedin. Le fait qu'on n'a pas Bedin, c'est parce que le peuple n'est pas mûr. C'est pas par hasard que techniquement, on n'a pas de Bedin. C'est parce que le peuple n'a pas cette conviction déjà de l'authenticité de la Torah, etc., etc. Et donc, même quand il se ramasse une baffe, il sait qu'il la mérite, cette baffe. À l'époque où il y avait le Bedin, et quelqu'un qui était Mechalel Shabbat, après Edout, etc., donc c'est un cas sur un milliard, mais c'est pas grave. Shu Motsa la oreille, on le sort à la mort. Il n'était pas révolté. Il sait qu'il mérite la mort. Il est à peine de mourir, peut-être. Il est triste de mourir, mais il sait, il est convaincu qu'il mérite la mort. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation. Puisque que la quasi-totalité du peuple comprend que la Torah, c'est Emet, elle vient du Mont Sinaï, et que c'est la vérité absolue, on est encore loin de cette situation. Donc, du fait qu'on n'est pas dans cette situation, Dieu fait en sorte qu'on ne peut pas user aussi de la force. On n'a pas de Bedin. C'est pas par hasard. Tout est géré par Dieu. Et les coups, aujourd'hui, ça ne plaît rien. Bah, au Hashim. Ça prouve qu'on a grandi et on peut comprendre ça. On va avoir des arguments. Non. D'ailleurs, quand on n'a pas d'argument, on arrive à la violence. Mais ça toujours. D'ailleurs, en hébreu. Ça a l'air très passif. En hébreu, quelqu'un qui n'a pas d'argument, c'est quelqu'un qui est muet, ça s'appelle Ilem. Ilem, c'est la même racine que Alimouts. Quand il n'y a pas de mots, tu en viens à la violence. Si quelqu'un est violent, c'est quand il est tokpan, agressif, c'est parce qu'en fait, il n'a pas d'argument. Et donc, il explose, il est frustré. Et pour libérer ses frustrations, il fout une baffe. Ça ne sert à rien, ce n'est pas ce qui va faire avancer les choses. Tov. C'est ce qu'il dit là. Regardez. Aval Betzibour, concernant le Tzibour, un déchéar. Il n'en est pas question du tout d'user de ça, de la Tshuva Chitzonit. Qui miyashlim, qui va compenser le dégât qui a été fait? Alken, c'est la raison pour laquelle. Yesh kwar Betshuva Penimit, c'est la Tzibour Ligmor Atakol. Concernant le Tzibour, on ne peut user que de la Tshuva Penimit. C'est-à-dire le changement conceptuel, intérieur, de la personnalité collective. Combien de temps ça prendra? Le temps que ça prendra. Il n'y a pas de raccourci. Mais c'est comme si... Si tu n'es pas, si t'es pas content... Si on dit ça n'existe pas, la Géoula rapide, alors que c'est écrit qu'il y a une Géoula rapide et une Géoula béite. Mais c'est quoi une Géoula rapide? C'est exactement ça, tu vois? Oui, mais apparemment, Géoula rapide, ça veut dire que les gens sont à la hauteur, sont convaincus. Voilà, mais comme ils ne sont pas convaincus, voilà. Donc on attend qu'ils soient convaincus. Mais non, attendre qu'ils soient convaincus, c'est pas se croiser les bras. C'est-à-dire, si tu n'es pas content du rythme de progression de la nation, eh bien, retrousse tes manches et mets-toi au travail. Au lieu d'être un spectateur de l'histoire, sois un acteur de l'histoire. Enseigne, divulgue le message. Nuit et jour, tu œuvres dans ce sens pour divulguer le message. Et c'est ça ce qui va accélérer le processus de la Géoula. Et ce n'est pas le fait que tu vas aller faire manifester sur le Kikar Rabin et libérer toutes tes frustrations. Comme je le dis à 100 000 fois de reprise déjà, si j'étais moi, Rosh Hashanah, j'aurais moi-même payé les manifestations contre moi. Comme ça, les gens, ils hurlent bien sur le Kikar et ça les calme pendant un an, puis je peux travailler et continuer à faire mes dégâts. Ça ne sert à rien la plupart du temps, les manifestations. Les gens, ils viennent, ils hurlent, etc. Ils sont bien contents, ils ont mangé des cacahuètes, ils ont rencontré leurs copains, ils ont jeté des pavés, etc. Puis ils rentrent à la maison, ils ont libéré toute leur frustration. Maintenant, j'ai du calme. Je peux travailler pendant un an. Ça fait une proc. Il faut annuler totalement le terme de manifestation et le remplacer par asbara. Explication. Et d'autant plus que là, il s'agit d'amour. On doit amener le peuple d'Israël à aimer. Parce que cette génération n'est pas apte du tout à servir Dieu, mais ira par la crainte, mais seulement par amour. Évidemment qu'on ne peut pas forcer l'amour. Tu dis à ta femme, écoute ma petite, si tu ne m'aimes pas, je te fous de claque. Elle va tomber amoureuse de toi. Elle va tomber tout court. Ça ne marche pas. Tu donnes un séducteur. Donc, tu uses les mêmes outils pour séduire le peuple d'Israël à aimer Dieu, à aimer la Torah, à aimer les idéaux, à aimer la terre d'Israël. Il faut aimer. C'est tu dois t'amener à aimer. Tu ne peux pas t'obliger à aimer. Oui, organise-toi pour aimer. Le bon Dieu nous oblige à aimer. Tu es censé arriver à aimer Dieu. Organise-toi pour aimer. Comment tu peux aimer Dieu? En contemplant sa grandeur.
Tu vois les astres, tu vois la nature, tu vois les hommes, tu vois l'histoire, tu vois l'intervention divine dans le monde. À force de connaître Dieu, tu es amoureux. Comment quand toi, amoureux du conjoint, comment le connaissant? Et que dans les films, où c'est le coup de foudre, ça tient deux secondes. Plus tu connais quelqu'un, plus tu l'aimes. À condition que son intériorité a de quoi être aimé, évidemment. C'est clair. Tov, continuons. A Teshuva. Donc on est à Piscabet. Itamit Ruyabalev. Afilu be'et achet atzmo. A Teshuva Gnuza i Baneshama. Visholah hadet kavea. Shemitgalim achakar be'et sheba noham akore li Teshuva. Donc la Teshuva se trouve toujours dans le cœur. Même pendant la faute. La tchouva se trouve enfouie au plus profond de l'âme. Et c'est elle qui envoie ses rayons, qui apparaîtront après la faute, au moment où l'homme commence à avoir des remords. Ces remords qu'il appelle à la tchouva. C'est-à-dire au moment même où tu es en train de fauter, ne crois pas que la tchouva est allée en vacances. Elle est déjà à l'intérieur de toi. Et elle commence à agir. Elle n'est pas encore assez forte pour t'empêcher de fauter parfois. C'était tellement empris de désir de faire la faute que tu ne peux pas te freiner. Mais sache que la tchouva se trouve en toi. Et plus encore, la faute elle-même va déclencher de plus belle le processus de la tchouva en toi. Plus tu vas fauter, plus tu vas être dégoûté de la faute, dégoûté de toi-même, plus ceci te permettra de bondir de plus belle et d'arriver à une situation meilleure que à laquelle tu étais avant la faute. C'est pas pour autant que quelqu'un doit se dire, bon, si c'est comme ça, alors allons fauter. Non, c'est interdit. Et de toute manière, comme je disais tout à l'heure, ça vient suffisamment tout seul, pas besoin de le faire de manière artificielle. Be'omeka avaya shalachayim, au plus profond de l'existence de la vie. La vie réelle, la mitzvah ultime, munachat teshuva, se trouve la teshuva. Mipeneshi kadma l'orlam, car la teshuva a précédé le monde. Dieu a créé la teshuva bien avant qu'il ait créé le monde. C'est la cause même du monde, la finalité, la cause de la finalité du monde. Vineshi kadma l'orlam, veterem sheba achet kvar mukhenet teshuva bimenu. Bien avant que la faute apparaisse, la teshuva est déjà prête. C'est un refoir, Le médicament existe, il est déjà sur l'étagère avant que tu tombes malade. Chaque faute, elle a sa tchouva, et Dieu a préparé déjà la tchouva de chaque faute. Alken, c'est pour cela que. En d'avoir batou arborlan que tchouva. Il n'y a rien d'aussi sûr dans le monde que la tchouva. Ce n'est pas une option. Peut-être qu'on fera tchouva, peut-être qu'on ne fera pas tchouva. Sans aucun doute que tout le monde fera tchouva. Tout le peuple d'Israël fera tchouva. Toute l'humanité fera tchouva. C'est une assurance. Parce que c'est la cause même de l'existence, c'est le fondement même de l'existence qui a été créé bien avant le monde. C'est pas le Messie, non ? Le Messie va contribuer à amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Et bien le Messie lui-même est illuminé à la lumière de Or HaTeshuva. On va dire qu'en lui apparaît de manière très forte ce processus de la Teshuva pour l'humanité entière. Donc, Alken, en davar batur ba'olam ke Teshuva, rien n'est aussi sûr dans le monde que la Teshuva. Vesof akol lashuv letikun. Finalement, tout se réparera. On n'a pas une vision pessimiste du monde, l'apocalypse et toutes sortes d'idioties de ce genre qui vient du christianisme. Nous, on est persuadés que le monde va en progressant, va en se réparant jour après jour. Même des choses qui paraissent à nos yeux des régressions ne sont que des améliorations, des époques intermédiaires de crise. Du fait même qu'on progresse. Comme par exemple lorsqu'on passe de l'enfance à l'adolescence. Et ben, entre les deux, il y a une crise. Au moment de la crise, on a l'impression qu'il y a une régression. Il était tout gentil, tout mignon, le petit gosse. Là, il se révolte, il n'est pas durlé, il devient insolent, il devient des fois même alim, qu'on dit alim, violent, etc. On en a rien. Non. C'est par le surplus d'intelligence qui rend dans la personnalité
que ça donne ces symptômes bizarres. Ça a l'air d'être une régression, en fait c'est une amélioration. Tu le comprendras plus tard, quand il sera totalement adulte. Donc ainsi, il en est ainsi dans la progression de la nation, dans la progression de l'humanité entière. Il y a des époques de crise qui sont en fait le fruit du surplus de bien qui est en lui, qui vient d'abord effacer l'époque précédente, qui était fondée seulement sur l'instinct. Et donc ça efface l'instinct. L'instinct qui t'a mené à toutes sortes de comportements positifs a disparu. L'intelligence qui vient te pénétrer n'est pas encore assez mûre pour te gérer. Entre-temps, tu n'as rien. Ni l'instinct, ni l'intelligence. Donc tu es un démon. Donc on voit ça, on croit que c'est une régression. Non. C'est du fait même qu'il y a plus d'intelligence, qui a affaibli l'instinct, qui a amené ces symptômes. Patience. Rajouter de l'intelligence, l'instinct disparaîtra, évidemment, et l'intelligence prendra le contrôle de la personnalité et l'amènera à des situations bien meilleures que lorsqu'il était géré par l'instinct. C'est comme ça dans l'individu, c'est comme ça dans le peuple d'Israël, c'est comme ça dans l'humanité entière. Tout est en progression constante. Même ce qui nous paraît être des régressions ne sont que progressions sous symptômes bizarres qui paraissent être régressions. D'ailleurs, mais sauf à quoi la choule des tikkun, tout se réparera finalement. Fait qu'Alvachomer, à plus de forte raison, s'il en est ainsi pour toute existence, qu'Alvachomer, à plus de forte raison chez Israël, que le peuple d'Israël, Mouftachim v'omdim la sot de Tshuva, qui eux sont assurés de faire Tshuva, comme il est dit, Vishavta, Adashem, Elokecha, et ce n'est pas formulé comme un impératif et comme un futur. Sans quoi il aurait marqué Shuv, Adashem, Elokecha. Vishavta, ce qui veut dire tu reviendras. Donc c'est aussi un impératif, mais c'est aussi une promesse divine que finalement tu ne cesserais de faire teshuva. Vont me dire la sotte teshuva, l'itkarev et la ratzon la mekori shalahem, et c'est ainsi qu'ils vont se rapprocher de leur volonté la plus essentielle, la plus originale qui est en eux. L'akshim b'chayim et teva nishmatam, et c'est ainsi qu'ils réussiront à concrétiser dans leur vie la nature de leur âme. Car la Torah, évidemment, avant qu'elle soit marquée sous forme de lettres d'encre sur le parchemin, elle est d'abord gravée en lettres de feu dans notre âme. C'est notre nature. Et tous les événements de l'histoire ne sont là que pour nous aider à mettre à l'œuvre cette nature. Tout ce que subit l'homme le long de sa vie, les événements n'ont pas tellement d'importance intrinsèque. Leur importance est ce qu'ils réussissent à graver dans notre conscience. Qu'est-ce qu'on en retire de cet événement? À quoi ça m'a amené? Comment je comprends maintenant différemment la vie grâce à cet événement? Que ce soit un événement heureux, que ce soit un événement malheureux, que ce soit même une faute. Donc, j'ai fauté, c'est un fait. J'en ai des remords. Bon, si déjà j'ai fauté, eh bien, profitons-en pour haïr davantage le mal. Dis Razal, en Adam omed en divrei Torah, elaim ken yishabayim. Quelqu'un ne comprend véritablement la Torah que lorsqu'il a péché. Jusqu'à présent, tu savais que le mal était mal de manière théorique. Une fois qu'il y a eu l'expérience de la faute et des répercussions négatives de la faute, du balagan que ça crée parfois, tu ressens profondément combien la faute est mal. Et donc maintenant, tu as plus de distance de la faute que ce qu'il y avait avant ça. Donc tu ressens gagnant. C'est clair? Donc même les choses que tu as fait suite à une mauvaise décision, une sale volonté, eh bien, eux aussi contribuent à ton avancement si tu sais comment les digérer. C'est le rôle de tous les événements qu'on vit dans notre vie, aussi bien à l'échelle individuelle que nationale, que universelle. Ils ne sont là que pour cela. Et ils ont une shlacha, des conséquences sur l'éternité, sur notre vie éternelle. Et c'est avec ce bagage d'enrichissement qu'on ressort pour l'éternité dans notre âme. C'est gravé dans notre âme pour l'éternité. Donc, l'akshim b'chaim et teva nishmatam. L'amrod kol kirot ha-barzel ha-otrim. Ça veut dire envers et contre tous les barrages qui font de tout pour nous empêcher de retourner à notre nature. Les tentations du Satan, toutes sortes d'idéologies négatives qui font de tout pour écarter le peuple d'Israël de sa vocation, etc. Et rien ne pourra arrêter.
Le torrent est si fort qu'il fera tomber tous les barrages. L'âme ne permettra pas d'être barrée, d'être bâillonnée. Elle cassera tous les murs, elle apparaîtra envers et contre toutes. Opposition. La mot kol kirot abarzel haotzri machotzetzim beadit galuto shel teva itadze. Qui font de tout pour empêcher le développement de cette nature si forte qui est en nous. Tov, gimel. Yiratret ativit. Ya teva enoshi abari biachas amusar klali. La crainte de la faute naturelle. Ben, c'est la nature humaine. Envers la morale générale. Ça veut dire un homme normal, qui n'est pas malade mental, par exemple, n'a aucune envie d'assassiner. Naturellement, il ressent un repoux du crime. Une répulsion de l'assassinat. Donc ça, c'est la nature humaine. Concernant la morale universelle. Il ira très tativit. Il y a teva enoshi abari biachas amusar klali. Vehi a teva israeli amiyuchad biachas dekol chet va'avon mitzad haTorah va'mitzvah mo'asha kilat Yaakov. Du moins comme ça devrait être. Elle est aussi, cette crainte naturelle, crainte de la faute. Crainte de la faute, ce n'est pas la crainte du châtiment. C'est la crainte de la faute. J'ai aucune envie de faire la faute. Je haïs la faute. Eh bien, elle est aussi dans la nature israélienne, c'est-à-dire la crainte de la faute existe aussi envers la nature israélienne spécifique concernant toutes les fautes qui nous proviennent, c'est-à-dire les définitions de la faute qui nous proviennent de la Torah, des mitzvahs, de l'héritage de Yaakov. Ça veut dire, si on était sain, S-A-I-N, en bonne santé, on devrait ressentir exactement la même répulsion, le même écart envers Bassar et Khalav, disons, ne pas manger en même temps de la viande huilée, comme un goy ressent la même répulsion envers un crime. On n'en est pas exactement là aujourd'hui. Pour le moment, ça dépend, il y a des grands tzadikim qui sont comme ça. Mais le commun des juifs n'est encore loin de cette situation. Sur quelqu'un qui viendrait appuyer sur l'interrupteur Shabbat devrait ressentir comme si qu'il prend un poignard et rendant au cœur d'une autre personne. Si sa nature était normale. Si la nature d'Israël fonctionnait de manière normale, ça devrait être ressenti en nous exactement de la même manière. Car lui a une âme seulement humaine et l'expression de cette âme se fait par le fait qu'il s'empêche de faire les Shiva Mitzot Ben Noir. Il ne transgresse pas les interdits de la mort. Ça suffit pour être parfait. Mais nous qui avons une âme d'Israël, qui est d'une autre envergure, qui est un milliard de fois plus grande, eh bien, il y a 613 expressions de cette âme. Et transgresser une des mitzvahs, c'est porter atteinte à mon âme, me détériorer, comme un goy qui assassinerait une autre personne, qui se détériore lui d'abord et avant tout, qui a perdu sa nature. Qui a détérioré cette nature. Regardez dans le texte. Il rattrait à Tivit. C'est crainte de la faute de manière naturelle, spontanée. Il y a Teva Enoshi Abari. C'est la nature humaine, saine. Beachas Tavoussa Klali. Relativement à la morale universelle. Veillez à Teva Israeli. Et cette crainte de la faute est aussi la nature israélienne, Amiouchad, spécifique. Beachas et Kolchet Vavan. Concernant toutes les fautes qui nous proviennent de la Torah. Mais de fait, aujourd'hui, on n'en est pas là. Alors, comment faire pour ramener le peuple Israël à cette santé psychique ? D'arriver à cette situation à laquelle le peuple d'Israël ressent une répulsion de la faute et un désir profond, naturel, d'appliquer la mitzvot. Comme quelqu'un de saint, eh ben, il prend plaisir à aider un pauvre malheureux, un petit enfant dans la détresse. Il ressent un besoin, il est propulsé en avant pour le faire, de manière naturelle. Il n'y a pas besoin qu'on lui bourre le crâne de le faire, il le ressent naturellement. Et bien, de la même manière, on devrait ressentir et accourir à mettre les tefillin. Sans même avoir besoin de l'étudier. En tevazé, choser l'Israël.
pour remettre en place cette nature dans le peuple d'Israël, qui m'a l'idée Talmud Torah. Il faut divulguer la Torah dans le peuple d'Israël. À force d'étudier la Torah, cette nature va réapparaître, va ressurgir. La Torah, elle vient que nous rappeler qui on est. C'est comme quelqu'un qui est amnésique, qui a perdu la mémoire. Mais il relit son calepin. Et il voit les numéros de téléphone des gens. Ah, maintenant je me rappelle. Ça, c'est ma femme, ça, c'est mes enfants. Et ça rafraîchit sa mémoire. Eh bien, on a perdu la mémoire. On en est en exil. En réétudiant la Torah, ceci est susceptible de rafraîchir notre mémoire et de remettre en vigueur notre véritable nature. Donc, Talmud Torah, c'est ce qu'il faut faire. À l'aider Talmud Torah, il faut divulguer la Torah dans tout le peuple. Pas dire cela, je l'enseigne, je ne l'enseigne pas. Enseigner la Torah à toutes les couches du peuple d'Israël, à tous les secteurs du peuple d'Israël, chacun évidemment dans son langage, dans ses capacités, etc., dans ses moyens adéquats, etc. Et maintenant, ceci se partage en deux clans essentiels. Talmud Torah, les Gadel, Talmidei Chachamim, mais Talmud Torah, Shel Gviut, Itim, la Torah, l'Amon Rachav. Il y a une étude spéciale pour faire grandir Talmidei Chachamim, c'est une unité d'élite, qui, eux, doivent étudier nuit et jour, 24 heures sur 24, c'est la seule chose qu'ils font toute leur vie. C'est le cœur battant de la nation. Une petite, toute petite minorité. Mais Talmud Torah, Shel Gviut, Itim, la Torah. Et une étude de fixer des moments pour l'étude de la Torah, que tout juif rencontre la Torah au moins une fois par jour, une fois par nuit. Combien ? Chacun sa dose. Pas besoin que tous étudient la Torah toute la journée, sans quoi on ne peut pas édifier une nation. Il faut l'armée, il faut la médecine, il faut la technologie. Chacun doit s'adonner aux activités qui construisent la nation, mais chacun doit être lié avec une infusion à la Torah, une fois par jour, une fois par nuit. C'est quoi Talmud Torah, Gadol Talmud Chacham ? Qui chivote. Que ça. Que ça. Mais c'est pas notre chita, ça, si. Si. Une toute petite élite. Veillez chercher Hazor Israël et Talon, Yotraim Tiviim, Kim Keshiachou, Lagam Tivo, Aprenim, Rolmidouaf. Il faut être convaincu de cela. Aucune chance que le peuple d'Israël retourne à sa puissance, à sa stabilité, et de retrouver sa vie naturelle, c'est-à-dire au niveau de l'économie, au niveau de l'armée, au niveau de tous les domaines d'activité du peuple d'Israël. Aucune chance qu'il retrouve sa santé naturelle, seulement après qu'il retrouvera sa nature spirituelle dans toute sa plénitude. Chez Echad Mehem, dont l'un parmi eux, Veyoter Chazak Shebem, le plus puissant qui est en lui, ou Zeateva Shidaratachet, c'est-à-dire un des symptômes que le peuple d'Israël est saint, S-A-I-N, c'est qu'il est iratret, la crainte du péché, la haine du péché, la répulsion du péché. Asilud mimenu, exactement ça. Asilud, c'est de s'en écarter. Udviat a teshuvah kvoa im nizamen chadir al yado ezedava avera vavon. Et, comme l'homme est susceptible de fauter tout le temps, au moins que lorsqu'il faute, une exigence profonde de réparer tout de suite. On n'a pas de problème, tu dois pas te sentir sale et coupable du fait que tu fautes. Tout le monde faute. Ce qu'on exige de toi, c'est que lorsque tu fautes, ne reste pas à t'embrouber encore plus dans la boue et te dire, bon, si je suis tombé déjà dans la boue, alors tant pis, je continue à patauger pour la vie dans la boue. Relève-toi de suite. Ça, c'est l'animal. Hein ? Ça, c'est l'animal. Il y avait plein de gens. Parce qu'ils ont fauté, donc ils disent si c'est comme ça, je suis ça, je ne suis pas capable de faire autre chose, alors ça légitime. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il dit Alti Racha Arbe. Ne sois pas Racha beaucoup. Alors, Racha un peu, c'est permis? Non. Ne crois pas que du fait que tu as fait une faute, ça légitime le fait de faire une autre faute. Et de te dire donc, je ne suis pas capable de me relever. Ça arrive à tout le monde de fauter. Relève-toi de suite. Yashuv. Ayoter, je vais vous dire à Teva, mais c'est le nom, ou Tvia, ta teshuvah, que voit, il n'y a pas de l'aléado, et c'est d'abord à Béra Babou. Si par hasard il t'est arrivé de faire une avéra, exige de réparer de suite et répare de suite. Achav. Ou Bit Gabrout, quoi, Chachayim, Shebaouma. Lorsque la force de la vie de la nation va
va grandir. C'est, au fur et à mesure que les Juifs vont tourner en Eretz-Israël, s'implanter en Eretz-Israël, se développer, etc. Bah, qu'il faut de Kol Tzadav dans tous ces domaines. Ti passe katsisa amahira tadat. Tout ce bouillonnement de toutes sortes d'idéologies négatives qui salissent la conscience du peuple d'Israël va se calmer. Au fur et à mesure, les choses vont se remettre en place et toutes ces idéologies qui tirent dans tous les sens pour écarter le peuple d'Israël de sa nature, de manière naturelle, vont s'apaiser. Et ceci amènera à une situation c'est-à-dire les outils nationaux. C'est quoi les outils nationaux? Ce sont les instances nationales. C'est-à-dire toutes les... Le gouvernement. המכשירים הלאומיים ישובו כולם להתעסק גם כן בדבר הגיוס של ההחזרה של הטבעיות המוסרית העמוקה והמיוחדת לישראל. C'est-à-dire le souci essentiel du gouvernement d'Israël sera comment assainir la société israélienne. Comment ramener le peuple d'Israël à son état originel. On a peine à croire aujourd'hui à la vue de toutes les combines sales et moches qu'on voit dans les couloirs de la Knesset. Mais ceci arrivera très bientôt. Viendra un jour où les yeshivot, comme on dit yeshivot à Sarim, quand on s'assoit ensemble, les réunions des ministres, de se dire comment faire pour que tous les juifs disent Shema Israël tous les jours. Ça paraît utopique et surréaliste. Comment faire pour qu'il n'y ait plus de viol? Ça commence déjà. Comment faire qu'il n'y ait plus de drogue? Ça a déjà commencé. Dans la morale universelle, ça a commencé depuis bien longtemps. Mais la morale spécifique israélienne, on n'en est pas encore là. Il y a quelques individus qui essaient de pousser dans ce sens. Parfois, dans les partis religieux, quand ils ont envie de travailler. Mais ce n'est pas, disons, l'intérêt essentiel du gouvernement d'Israël. Ceci arrivera très bientôt. Amarchirim aleumiim, les outils nationaux. Comment faire pour ramener cette nature morale profonde, spécifique au peuple d'Israël, qui, elle, cette nature, c'est une nature très minutieuse qui est capable de voir la différence qui existe entre ce qui est interdit et qui est permis dans tous les plus petits détails, c'est-à-dire pas seulement de manière générale. On va faire une réunion de parler de la morale universelle des prophètes d'Israël. Ça, même Ben Gurion était capable de faire. D'ailleurs, même sur la charte de l'indépendance, il y a marqué on va concrétiser les idéaux de nos prophètes. Non, il parle de Halakha le Maasé dans tous les plus petits détails. Lorsqu'il a écrit ça, il y a 100 ans environ, Rav Kook, on aurait dû prendre pour un illuminé surréaliste. On n'est pas loin de là. Parce qu'il y a de plus en plus de religieux, au prochain. Il y a déjà aujourd'hui dans la Knesset au moins 40% de religieux. Ils n'ont pas toujours l'apparence. Il y en a qui ont des kippas blanches, des kippas noires, des kippas transparentes. Il y a des femmes qui n'ont pas de kippas de bichlal. Donc, qui sont religieux, donc il vaudrait bien que tous comprennent la grandeur de la religion. Donc déjà, ça est en train de se faire de manière silencieuse. Et plus on progressera dans notre vie en Eretz Israël, ce sera le sujet essentiel qui sera le souci du gouvernement d'Israël. Et c'est comme ça que, de manière naturelle, le messianisme va éclore du nationalisme israélien. Au début, on se soucie d'établir les structures, les infrastructures. Bon, on a fini, maintenant, au Hachem, on est une puissance mondiale et on donne envie à pas mal d'autres pays qui existent depuis des centaines d'années. Donc, maintenant, on est venu ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant d'intéressant? Maintenant, on doit chercher le gaz, on doit chercher des trucs. Bon, on a fini avec tout ça. Mais pourquoi on est venu? C'est-à-dire, le peuple d'Israël commence à se poser la question, qu'est-ce qu'on fout là? Quelle est la vocation de l'État d'Israël? Alors on fait des idioties, la vocation de l'État d'Israël, c'est d'établir un État palestinien, et on se rend compte qu'il y a une impasse, etc. Et de manière éliminative, on arrivera à comprendre quelle est notre vocation. Évidemment, nous, on n'a pas besoin d'attendre, on doit agir dans ce sens pour accélérer le processus. Et en faisant de tout, de pénétrer la politique israélienne, pour faire apporter la voix de Dieu dans la politique israélienne, pour faire progresser plus rapidement ce processus. Mais c'est quoi ce processus? C'est bien d'être hors la goyim, non? D'accord. Ouais. Pour être hors la goyim, tu dois être hors d'abord. Ouais, ça, c'est-à-dire que nous... Tant que la société israélienne n'est pas à son niveau... On a créé en fait un dogma pour le monde entier. D'accord. Donc il faut d'abord faire une révolution au sein de la société.
Ça veut dire que tous les juifs appliquent la halakha qu'Allah Kéramoua. On n'est pas exactement là encore. Pas par la force, voilà. Évidemment. Et l'antisémitisme, ce qu'on n'est pas heureux de l'égoïsme, c'est de l'antisémitisme. Non, c'est une exigence, l'égoïsme, de comprendre ça à notre niveau. J'avais kol dikduke Torah. Regardez ce qu'il y a. Tous les plus petits détails de la Torah et des dictores sofrim et des chachamim. Yokro les malaché chaim atzmiim seront reconnus alors comme les événements et les exigences les plus importantes de la nation. Alors qu'aujourd'hui, c'est une carrière d'Indien auquel on jette des cacahuètes, plus ou moins, les religieux. Ce sera l'essentiel du souci du gouvernement d'Israël. Car ils comprendront qu'il n'y a aucune possibilité d'établir une véritable vie nationale fraîche sans cette nature, sans retrouver notre nature. Donc tous les investissements, toutes les ressources convergeront vers cet objectif, de remettre en place la nature du peuple d'Israël. Pas seulement de faire des Israéliens des bons hommes, qui ne volent pas, qui ne tuent pas, qui ne violent pas, qui ne prennent pas de la drogue. Ça, c'est assez bon pour les Français. Ils sont encore, eux, loin de tout cela. Mais ça, c'est bien pour être un Français. Pour être un Israélien, c'est pas encore ça. On est encore loin du compte. Donc c'est vers ça qu'il faut faire avancer l'État d'Israël. Et ceci est en bonne route pour le prochain. Top. On arrête là pour aujourd'hui. Comme tout.